Et salut à tous et à toutes, c'est tous de l'époque. On se retrouve ce soir pour l'ouverture ASMR d'un petit booster. Voilà. Donc pour la petite histoire, c'est ma chérie qui me l'a ramené de quel magasin déjà? Pickwick, je crois. Voilà, elle m'a acheté un petit booster. Ça m'a fait carrément plaisir, du coup je me suis dit je vais en faire un petit épisode ASMR. Donc le booster était en loose. Parce qu'un Pickwick, bah, il est découpé en fait, tout simplement. J'aurais préféré qu'il soit sous blister pour faire ASMR, c'est un petit peu mieux. Mais c'est pas bien grave. Donc, on va voir ça. Une rupture entre deux mondes. Donc ce booster, c'est la dernière série qui est sortie. On va se l'offrir. Et on va faire le 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre les deux meilleures cartes à la fin. Hop. Alors, j'avais pas eu beaucoup de chance dans mes 10 boosters que j'ai ouverts sur la chaîne, vous avez vu. J'espère avoir une holographique dans ce booster. Cette carte encore avec l'attaque aromathérapie, d'accord. Regardez derrière, quand ses antennes s'entrechoquent, elle laisse échapper un bruit de xylophone. Ah, non, je sais pas, ça me fait penser à Mélocric, mais Mélocric c'est une évolution, peut-être Crixic. Oh oui, je suis trop bon. Je connais pas beaucoup la série donc j'avais pas beaucoup de chance de trouver. Espiègle. Ok, j'avais pas vu cette carte non plus. Rapion. D'accord, allez, on va essayer de deviner la prochaine. Dieu protecteur d'une ville antique, il suivait toujours le même itinéraire afin de prévenir tout risque d'invasion. Franchement, j'en ai aucune idée. Il n'y en a vraiment aucune idée. Cliptero, d'accord, bah j'avais pas encore vu ce Pokémon. J'avais pas encore vu cette carte, donc je pouvais pas trouver. Toujours avec le petit. Dessus. La vallée inversée, ok. Celle-là, on l'avait vu dans les 10 boosters, donc c'est une carte qu'on peut voir à l'endroit et à l'envers. Voilà, dans les deux sens. Et j'aimerais bien l'avoir en reverse, ça me ferait plaisir. Terreur, d'accord. Alors, est-ce que Terreur, c'est le nom de la dresseuse ou pas? Je connais pas du tout cette dresseuse. Sa capacité à voir à travers tout est très utile pour détecter les moindres dangers. Ouais, vous pouvez dire que je suis nul, mais là je trouve pas du tout. Vous avez qu'à me dire en commentaire si vous avez trouvé, mais moi je sais pas du tout. Luxray, waouh. Il peut voir à travers tout. Je savais pas du tout. Je ne savais pas du tout ça. Je ne pensais pas qu'il pouvait voir à travers des choses. Bon, très bien. Et derrière. Oh, oh my god. Génial. Génial. Super. Manavi ex Flart. Waouh. Génial. Super. Waouh, je suis trop content. Et ouais, c'est ma chérie qui l'a choisi. Elle a la main hyper chanceuse, c'est un truc de fou. Waouh, la 116 sur 122. Bah, je vous cache pas que j'aurais bien aimé avoir ce booster pour l'ouverture des 10 boosters. Un petit peu mieux que là tout seul, mais bon, ça fera un bel ASMR. Il y a longtemps que j'avais pas eu une belle ultra comme ça en ASMR. Waouh, Manavi Full Art. En plus, je connaissais pas cette carte. Elle est trop belle, elle est super belle. Waouh, ça fait plaisir de voir une Full Art un peu différente d'habitude. Ce Pokémon là, on le voit jamais. Super. Bah écoutez, je vais finir la vidéo et je vais aller faire un gros bisou à ma chérie parce que là, franchement. Ça fait trop.
prochaine vidéo sur Rupture Turbo. Comme je vous l'ai dit dans l'ouverture de petit booster, je ne sais pas quand est-ce que ça viendra. J'attends des displays, donc voilà, on verra bien. Si j'ai pas mes displays, bah, j'irai acheter des boosters en magasin, mais pour l'instant c'est pas prévu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir d'avoir une ultra, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à la prochaine.